Bonjour les amis verso, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du 5 mai, vendredi 5 mai. On va regarder euh, les messages pour votre signe. Je euh, rappelle que c'est général et euh, je ne force personne à croire ce que je fais. Je fais ça pour les personnes qui sont... Sur les mêmes croyances et la même vibration que moi, les autres, si ça ne vous plaît pas, eh bien je vous conseille juste d'aller voir ailleurs <laughs> c'est tout. Voilà, je ne suis pas là pour vous plaire non plus à ceux que ça les personnes négatives qui m'envoient des commentaires vraiment insultants bah franchement, euh, vous perdez votre temps hein, parce que je continuerai que ça vous plaise ou non. Voilà, allez. Parenthèse, désolé pour les autres, bien sûr, il y a plein aussi et surtout une grande majorité de personnes très bienveillantes euh, sur cette chaîne. Donc merci beaucoup pour le soutien. Allez, on regarde avec le Moonwitch. Oups là. Alors, Verseau, vous avez eu l'énergie d'Isis et on voit un scorpion ici. Isis, et on vous dit. Euh ah, des sorts de protection et de guérison ici. Donc vous pouvez vous connecter à cette euh, cette énergie. Euh, moi j'appelle ça des déités parce que pour moi Dieu il n'y en a qu'un, c'est la source, mais on a des déités. Euh, c'est nous qui les avons créés en quelque sorte hein, parce qu'on on croit en eux. Donc euh, vous avez euh, tout ce qui est des dieux égyptiens, euh, grecs, euh, païens, enfin peu importe. Mais il faut savoir que quand vous demandez, vous vous connectez à ces déités, bah effectivement, il y a une certaine énergie qui s'en dégage et ça peut vous aider euh, pour réaliser euh, des souhaits, des sorts. Et ici, on nous parle surtout de protection et de guérison, donc du corps et peut-être aussi de l'esprit. Donc vous pouvez euh, vous connecter à Isis. Alors, on va regarder avec la lunologie quels sont les messages pour les amis verso. Oh! J'avais une carte qui était retournée, désolé. C'est du tirage précédent, donc je recommence, et ben voilà. Allez, pour les versos, on vous dit ah bah ben non, c'était bien celle-là qui voulait venir. Méditer et contempler. Vous voyez quand ça veut venir, ça insiste. Des fois je sors trois fois la même comme ça. Donc ici, euh, nouvelle lune en poisson. Donc méditer et contempler. Alors, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que veut dire contempler. Contempler, ça veut dire que vous ne faites rien. Vous êtes, juste, vous êtes juste là, ici et maintenant, et vous voyez la beauté partout. Vous la voyez dans une fleur, euh, dans un arbre, dans un paysage, dans une personne, dans une œuvre d'art. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment ça, contempler. C'est être en pleine présence et trouver tout euh, parfait, voir la beauté partout. En fait ça c'est une énergie d'amour et quand vous arrivez à vibrer ça bien sûr le plus souvent possible je peux vous assurer que dans votre vie il arrive de belles choses parce que tout est énergie donc vibrer cet amour l'amour vient à vous c'est très simple en fin de compte donc ici et puis aussi ben, on vous conseille la méditation pour vous recadrer dans l'instant présent, mais si ça ne vous parle pas, euh, moi personnellement j'ai du mal à méditer, mais en fait je sais que mes méditations sont différentes c'est à dire ben, je marche dans la forêt seule et là je suis euh, effectivement comme dans un état méditatif ou alors euh, il n'y a pas longtemps je me suis mise à l'aquarelle et ça me replonge dans mon instant présent aussi parce que je ne pense à rien d'autre quand je fais ça. Ben, vous voyez, vous pouvez même en fait être dans un état méditatif quand vous faites du repassage hein. peu importe quand vous êtes là, vous êtes juste concentré sur ce que vous faites et rien d'autre. Voilà. Allez, on continue avec le petit oracle mission de vie, un petit message pour nos amis Verseau s'il vous plaît. Alors, bah voilà, Verso, on vous dit ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement diffuse l'amour autour de toi. Ouais, bah c'est vraiment ça. Hein. C'est ce que je disais quoi. OK, alors cultiver l'amour en vous les Verseaux. Allez, je regarde les événements. Donc avec l'oracle du soleil, l'isolement, OK. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Verseaux La flatterie. OK. Donc ici on a euh, Saturne en Vierge avec l'isolement. Ce jeu, il est bien parce qu'il nous apprend les sens des configurations astrologiques. Et ensuite, nous avons euh, Vénus en Gémeaux. Donc, je commence par la flatterie ici. On nous dit qu'il pourrait y avoir une histoire d'amour secrète ou peut-être une idylle imaginaire. Peut-être que vous pouvez avoir deux amants en même temps. Euh, peut-être aussi qu'il y aurait une séduction euh, un petit peu... Euh, C'est-à-dire, vous êtes en couple, vous vous laissez séduire par quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un qui essaye de vous duper, de vous séduire, mais qui n'est pas euh, ce qu'il ou elle paraît. On nous dit que vous avez peut-être aussi, pour les célibataires, euh, vous ressentez le besoin de, de compagnie ici. Et ensuite, on a Saturne en vierge qui nous parle euh, peut-être de contrôler euh, la qualité ou l'avancement d'un projet ici, peut-être d'une réorganisation. Euh, alors ça peut être de votre logement, ça peut être dans votre travail, dans votre entreprise. Pour en fait être plus efficace dans ce que vous faites au quotidien. On nous dit aussi peut-être que vous travaillez, vous allez travailler seul sur une longue période, ou peut-être que euh, vous êtes un peu dans le perfectionnisme et que vous vous fixez des critères beaucoup trop élevés, ce qui peut bah, vous mettre beaucoup de pression finalement pour pas grand chose et vous prendre beaucoup d'énergie. Alors on va continuer avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour nos amis Verso, s'il vous plaît Verseau et voilà. Alors on vous dit un grand oui pour le travail d'équipe. Alors peut-être que là ici les Verseaux vous avez besoin de l'aide des autres mais que vous voulez pas euh, l'accepter. Alors soit c'est un travail de groupe dans votre vie professionnelle. Euh, vous associer à d'autres personnes, mais ça peut être aussi dans la famille, à la maison, accepter en fait, euh, bah je sais pas, que vos enfants vous aident aux tâches ménagères, euh, travailler en équipe avec votre mari ou votre femme aussi, ça peut être important d'avoir un soutien en fait. Hein. Ou peut-être que vous allez aussi reprendre euh, des études euh, ou une formation, vous perfectionner dans quelque chose. Euh, bon ici, la collaboration est importante dans tous les cas. Hein. Donc euh, vraiment, euh, ouais. Il y a un truc d'équipe ou de groupe là ici qui arrive pour vous. Vous pourriez aussi peut-être être formé par une personne déjà compétente dans le domaine qui vous intéresse. Voilà, mi-verso, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires bienveillants, les partages, les abonnements. Et puis, bien, je vous souhaite tout le meilleur.